Marcelo. Je pense que tout le monde va bien. Vous allez tous bien. Je me sens très fatigué. C'est mieux que vous allez bien. Je me sens très fatigué. Fatigué. Nous allons chanter et le rire nous offre de la phrase. I'm not afraid.
la vie et la gloire. Pour voir sa face bénie. Amen. Parce que sa face, on le voit à l'ouverture des sceaux. Amen. Et l'ouverture des sceaux, c'est après Apocalypse chapitre 4. Alors, ravi dans la gloire. Amen. Pour voir sa face bénie. Amen. J'aime ça. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole avec une frérie. Nous voulons encourager les jeunes pour leur donner l'opportunité aussi de parler. Amen. Et je vous en prie de l'encourager pendant qu'il va apporter la parole. Nous allons chanter à la croix au pied du maître pendant que je vais l'inviter. Which is a very good thing. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Amen. Amen. So
thank you very much for everything and for. Merci encore une fois, you know, you are a very special people. You are a very special people. Vous êtes un peuple spécial. Some of us might not know that. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne les connaissent pas. The prophet says. Et le prophète a dit. The problem today. Le problème aujourd'hui. Is people don't know who they are. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. People don't know who they are. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. They think we're just a normal people. Ils pensent qu'ils sont simplement des gens normaux. But we are the bride. Mais nous sommes l'épouse. We are Christ. Nous sommes Christ. For people to see Christ today. Pour que les gens puissent voir Christ aujourd'hui. They have to see through us. Ils doivent le voir au travers de nous. Amen. Amen. So we I won't be long. We're going to read our Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. In the book of Matthew. Dans le livre de Matthieu. Thank you. Amen. Matthew chapter 16. Verse 13. I'm reading. And when Jesus came into the coast of the Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And he said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-John, for flesh and blood has not revealed it unto thee. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. But my Father which is in heaven, thank you. And he said unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against thee. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Let's pray. Prions. Father God, we thank you for this day. Merci Seigneur, nous te remercions pour ce jour. I cannot say anything to these people that can give them life. Il n'y a rien que je peux dire à ces peuples pour leur donner la vie. Father, only thy word can give life. Seigneur, seulement ta parole peut donner la vie. Father, put me aside, let you speak through me. Seigneur, mets-moi de côté, que ce soit toi qui parle au travers de moi. Bless this day in the name of Jesus Christ, we pray. Bénis cette journée au nom de Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Vous asseoir. So today I wanted to speak
of a message. The second coming. Aujourd'hui, j'ai un message que j'ai apporté que j'intitule la seconde venue. And the subtitle of it is a personal divine revelation. La révélation divine personnelle. A personal divine revelation. In this message, there's so many people that believe different things. Dans ce message, il y a des gens qui croient des choses différentes. People who can argue about a certain thing. Les gens peuvent discuter. We can fight each other because of certain beliefs. Et il y a des gens qui peuvent même se combattre les uns les autres à cause de leurs croyances. But until you make your own personal, your divine revelation, your personal revelation, jusqu'à ce que vous ayez une révélation personnelle to what you believe, par rapport à ce que vous croyez, that thing will never do anything to you. Si vous ne le faites pas, cela ne fera rien pour vous. Amen. Amen. So we have to make our own personal. We need to do our personal revelation. Nous devons avoir notre révélation personnelle. Without that, sans ça, we are just using words in vain, and we cannot understand the message. Sans ça, nous ne comprendrons jamais le message. The problem: some people they just say we have to put the text and listen to the text. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'on a à faire c'est de mettre une bande à écouter. I don't disagree with them. I don't disagree with them. Donc, je ne suis pas en désaccord avec eux. That's a very good thing. C'est une bonne chose. To put the text. D'écouter les bandes. But the problem is not about just listening to the text. Mais le problème, ce n'est pas simplement écouter les bandes. But the problem is to understand what the text says. Le problème, c'est que vous devez comprendre ce que les bandes disent. Because everyone can just play the tape and listen to it. Si tout le monde peut simplement mettre une bande et écouter. Because this text is not just at the end of the prayer. It's everyone that got, even the White House, they even have it. Parce que c'est pas simplement entre les mains et les pouces, parce que tout le monde a les bandes. Even in the White House. Même à la Maison Blanche. The secret services. Dans le service secret. They know what we believe. Et ils savent tout ce que les gens croient. They listen to it. Et ils écoutent ça. Why is it that they can't change and receive what the message is saying? Why is it that they can't believe what it's saying? Pourquoi ça? Parce qu'ils ne peuvent pas croire ce qui est à l'intérieur. Because it's not a revelation to them. Parce que ce n'est pas une révélation. The reason why me and you will believe this message. La raison pour laquelle je suis ici comme croyant de ce message. Is because it's a revelation. It is a revelation. Parce que c'est une révélation. When something is a revelation to you, si quelque chose est une révélation pour vous, you will never leave it. Amen. You will stay. You will stay yourself. Tu ne le quitteras pas. This message. Ce message is like a love letter to the bride. C'est une lettre d'amour pour l'épouse. I can write a letter to my wife. Je peux écrire une lettre à ma femme. You guys will be able to read. Vous pouvez bien lire. But you will not understand. Mais vous ne comprendrez jamais. But she is the only one who will understand. La seule personne qui comprendra ce que je voulais vraiment dire. Amen. Amen. And this message. Et ce message is given to everyone. We all have this letter. Et c'est donné à tout le monde. C'est tout le monde. All have it. You can get anywhere. Et nous en avons. Vous pouvez avoir ça n'importe où. But the understanding of mais la compréhension du message. That's the main important thing. Ça, c'est la chose la plus importante. To my brothers that love listening to the message, like me, mes frères qui aiment écouter le message, I would advise them to pray for that revelation. Je veux leur demander de prier pour cette révélation. So that they will be able to understand what is in the message. Pour qu'ils puissent être capables de comprendre le message. And it's not about just coming to church as well. Et ce n'est pas simplement venir à l'église. Because some people say you have to go to church. You have parce to. Les gens disent qu'il faut aller à l'église, faut aller à l'église. It's good to go to church. C'est bien d'aller à l'église. But that will not give you the revelation. Mais ça ne donnera jamais la révélation. In the church of Jesus Christ. Dans l'église de Jésus Christ. There were people there. The disciples were there. Il y avait les gens, il y avait les disciples. But when Jesus asked them, quand Jésus les a demandé, who do they say I am? Qui dites-vous que je suis? They were all there. They are all listening to Jesus. Tout le monde but there was only one person. Mais il y avait deux personnes. That was Peter. C'était Pierre. Who had the revelation? Qui a fait la révélation? And he said that Amen. Et dit que tu es le Christ.
They were ordering Jesus. Ils étaient tous avec. They were listening to Jesus. Ils écoutaient Jésus. Amen. Go to the next slide. It's working on. So I'm going to read this message, but I hope you can read it there. Je vais lire ce message. Brother said, Cain was a worshiper. Cain était un adorateur. He paid his vows. Il a payé ses vœux. He worshipped God. Il a adoré Dieu. Came up and laid sacrifice down. Et il est venu, il a déposé son sacrifice. He knelt down on his knees. Et il s'est agenouillé. Raised up his hand and said, il a élevé ses mains, il a dit, Jehovah, and worshiped God. Et il a adoré Dieu. Truly, in a form of worship. C'est vrai, dans la forme d'un vrai adorateur. Just as religious and just as sincere, perhaps as what this man was. Il était un homme vraiment sincère. But the only men, different men, this man had a spiritual revelation of God requirement. Man. The only problem with Cain, between Cain and le seul problème entre Cain et Abel, that in this message, Brother Branham is talking about Cain. Dans ce message, il fait vraiment parler d'Abel et Cain. He said Cain, il dit que Cain, he was a believer. Il était aussi croyant. He came to church. Il venait à l'église. He offered sacrifice. Et il a offert ses sacrifices. Il a prié et il s'est agenouillé. But mais the difference between Cain and Abel. La différence entre Cain et Abel. Cain did not have the revelation. Cain n'avait pas la révélation. Yes. Amen. Amen. He was a normal believer. Il était un croyant normal. The problem is not about just being a believer of the message. Le problème c'est pas simplement être un croyant message. Because anyone is just okay. You believe in Jesus, I believe. Tu crois ça, oui, je crois ça. But the problem is it has to be a revelation. Mais le problème c'est que ça doit être une révélation. Amen. Amen. Let's go to the next one. It started at the beginning. Ça a commencé depuis le commencement. Then when the natural and the spiritual. Quand le naturel et le spirituel. Yet Cain ever worshipped the same God. Oui, c'est vrai. Cain et Abel ont adoré le même Dieu. They both built the same kind of altar. Ils ont construit tous deux la même sorte d'autel. They both worshipped the same God. Ils ont tous adoré le même Dieu. At the same church. Dans la même église. At the same altar. Dans une même autel. Mais Caïn avait un raisonnement charnel. Brought the fruit of the land and laid upon the altar as a sacrifice. Il a amené le fruit du champ et il l'a mis sur son autel de sacrifice. Thinking that surely that this will answer to God for an atonement. Et il pensait que cela pouvait donner une réponse pour l'expiation. Amen. Amen. Caïn, being a believer, Caïn en tant que croyant, he became. Both of them with Abel. Ils sont tous venus tous les deux Caïn et Abel. Offer a sacrifice. Pour offrir un sacrifice. But Cain, notice it was carnal. Mais remarquez que Caïn était charnel. He didn't have the revelation. Il n'avait pas la revelation. It was carnal to Cain. Amen. Amen. So he must have brought in as people think today. So we're going to go to the next code. Yeah, sorry, down is 79, sorry. 79, he says. Paragraph 49. 79, he says. But Abel had the right sacrifice. Il avait le vrai sacrifice. He knew that it was blood that did it. Et il savait qu'il avait compris que c'était le sang. So he bought the lamb. Et il a amené un agneau. And when God received it. Et quand Dieu l'a reçu. Now, Abel by faith. Abel par la foi. By revelation. Par la révélation. No other way. Non, par un autre chemin. Let me something. Abel. He learned this from the book. Abel n'a pas lu ça dans un livre. Way that you have to bring a lamb. Qu'il faut amener un agneau. That the blood has to come out. Pour que le sang puisse couler.
fait. He didn't learn it from anybody. Il n'a pas étudié ça. But it was a revelation. C'était une révélation. Amen. Amen. It was a revelation that's what God wants. Et c'était la révélation de ce que Dieu voulait. But man continued to say, there was no Bible reading. Et il n'y avait pas de Bible à lire. So you see, the beginning of righteousness is God revealed truth. La justice, c'est Dieu qui révèle la vérité. Amen. So, from there we can see. Et à partir de là, nous allons voir two people, deux personnes, coming to church, venant à l'église, worship, adorant, believing this message, croyant ce message. We all believe people say yes, I believe in Brother Branham. Some of them are Cain. Parmi eux, il y a aussi des Caïn. And some of them are Abel. Et les autres sont des Abel. Where a revelation is revealed, they get the revelation from God of what the world is saying. Et ils reçoivent la révélation à partir de Dieu. And some they speak with it as it is canon. Et les autres ont un raisonnement charnel. Amen. Amen. Go to the next one. There's another two group of people, Barbara is talking. Il y a aussi un autre groupe déjà. The Moabites. Les Moabites. And the Israelites. Et les Israélites. Barbara is saying. Le frère Barbara dit. Fondamentalement. They were all right. Ils étaient tous dans les bons. They were all worshiping. Ils adoraient tous. They had prophets. Ils avaient des prophètes. They offered offerings. Et ils ont tous offert des sacrifices. Which some of the office testified was prophesying the coming of Christ. Et quel est leur sacrifice parler de la venue du Seigneur. Amen. Amen. But someone in between them, mais parmi eux, the children of Israel, les enfants d'Israël, had the revelation. Les enfants d'Israël avaient la révélation. Amen. They had the pillar of fire. Ils avaient la colonne de feu. Amen. Let's read what Abraham said. Lisons ce que Dieu a dit. And notice when they came together. Remarquez, lorsqu'ils sont venus ensemble, both of them offered the same sacrifice. Tous les deux ont offert le même sacrifice. Both built and sold seven stars, seven altars. Et tous ils ont construit sept autels. Both offer clean sacrifice. Et tous ils ont fait un sacrifice pur. And they offered up rams, testifying that there was a coming Messiah. Ils ont offert des agneaux qui parlaient de la venue du Messie. Fundamentally, they were both exactly the same. Fondamentalement, ils étaient tous pareils. Israel down there in the valley. Même là-bas dans la vallée. Moab up on the hill. Moab dans la montagne. And Moab with seven altars. Moab avec sept hôtels. Israel with seven altars. Israel avec sept hôtels. Moab with seven arts. Moab avec sept veaux. Israel with seven. Et Israël aussi avec sept veaux. Moab with seven rams, speaking of the coming of Messiah. Moab avec sept rams. But what was the difference in them? Mais qu'est-ce qui était la différence entre les deux? Fundamentally, both were right. Fondamentalement, ils étaient tous d'accord. But you see, mais Moab did not have the vindication of God with them. Mais Moab n'avait pas la confirmation que Dieu était avec eux. They were only nation. Et c'était simplement une nation. A group of celebrities. Et un groupe de gens qui célébraient. With Moab, they were just celebrities. Avec Moab, les Moabites, c'était simplement une célébration. People, we have those people in this message. Nous avons ces gens déjà aujourd'hui dans le monde. Popular. Parce qu'ils ne veulent qu'être populaires. Celebrities. Ils veulent célébrer. But they had no pillar of fire. Mais ils n'ont pas la colonne de feu. The revelation of God. La révélation de Dieu. Amen. Amen. But Israel had a prophet with them. Et Israël avait un prophète. They had a smith rock with them. Ils avaient les rochers frappés avec eux. They had a pillar of fire. Ils avaient la colonne de feu. They had the great serpent of healing. Ils avaient la persécution. Le serpent de rang. Ils avaient le serpent de rang.
pour la guérison. Pour la guérison. And they had the blessing of God moving right along with them. Ils avaient la bénédiction de Dieu qui était avec eux. And he was called up each other, children of Israel. Et ils étaient appelés les enfants d'Israël. Now with yes, they were called out. Ils étaient sortis pour être les enfants de Dieu. Now we find so perfect. Tab here in the church today. Amen. Nous trouvons un vrai type de l'église aujourd'hui. As Moab was not so, Israel was sojourning. From places to places, wherever the pillar of fire moved. Moab n'était pas comme Israël qui se déplaçait pendant le camp. La parole de Dieu s'arrêtait. Israel was following the pillar of fire. Israël suivait la colonne de feu. Wherever the pillar of fire was going. Et lorsque la colonne de feu avançait, the children of Israel was following. Les enfants d'Israël aussi suivaient. Amen. Amen. But they moved with it. Moab not so. Et ils se déplaçaient avec la colonne de feu, mais pas Moab. They were settled down in their own denomination. Ils étaient assis dans leur propre. That's one of the problems we have. The Moab, they sit in their denomination. They don't want to move. Ils ne veulent pas avancer. When the nation is moving, they still want to move. They still keeping the old things. Et ils gardent toujours les anciennes choses. Amen. Amen. This message has come. Came for us to move forward. C'est l'essentiel est venu pour nous permettre d'avancer. Not for us to stay like the denomination and churches. Pas pour qu'elle puisse être like the Pentecostals. Comme les Pentecostistes. Amen. Believing the same thing as the Pentecostals. Croyant les mêmes choses que les Pentecostistes. I thank God for Brother, what is his name? Pastor Craig, who was singing the song. Je pense au pasteur Craig qui avait chanté un cantique qui disait la parole est en train d'avancer. You see, oui. He trying to say before when the message came. He voulait dire que quand le message était venu. Especially when that's in Africa, in Congo. That's why I said. Chez nous au Congo. I didn't believe the message then. Je ne connaissais pas le message. But with the story we have heard. Mais par rapport à l'histoire qu'on a entendue. People had different beliefs. Some you cannot do this, you cannot dress this. Les gens avaient. Les gens me croient comme quoi tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas faire ça. Des jeans. Les bons jeans. Sunglasses. Ne portez pas les lunettes noires. But when they came to read the message. Mais quand on a lu le message. And they saw the prophet. Et ils ont vu le prophète. They moved on. Quand ils ont vu le prophète, ils ont avancé. They moved on with it. With what the prophet said. Ils ont avancé par rapport à ce que le prophète a dit. But some people, they said, mais les autres, ils sont toujours là. Hey, the same place. Ils sont toujours là. Believing those. There's no difference between Pentecostals, denominations. Ils croient la même chose. Ça ne fait même pas la différence entre eux croyant le message et les Pentecostistes. Amen. Amen. So he said, they were settled in their denomination. Il dit qu'ils étaient aussi dans leur denomination. They did not move. They stayed right there. Ils ne voulaient pas avancer. Ils étaient toujours là. They had their celebrations. Ils avaient des célébrations. Amen. Amen. So the message has come for us to move forward. Ils avaient leur célébrité. The message has come for us to move forward. Le message est venu pour nous pour permettre d'avancer. Even though we all believe the same message. Même si nous croyons le message. In some people. Mais les autres gens. We all do the same. We all have pictures of the prophet in our churches. Dans nos églises. We have pulpit. Nous avons. Une chair. We have pastors, we have the church. Les pasteurs, nous avons toutes ces choses-là. But the only difference. Mais la seule différence. Moabites and some are the. La seule différence, les autres sont des Moabites, les autres sont des enfants. Because the proof that you are a child of Israel, you will move forward with the message. Pour prouver que tu es un enfant d'Israël, tu dois avancer. If you are a spiritual Israel with the message, you will move forward. Si tu es un enfant d'Israël, tu vas avancer avec le message. Amen. Amen. Let's go to the next one. On avance. I'll just read the last one, the red part. Je vais lire one of the six. He said, I want to tell you something now. Je vais vous dire quelque chose maintenant. What on that third session?
the spirit of moment, like John, that Joseph, like Marie, Mary Magdalene, and all those. Just that moment when something is revealed to you, grab it. En ce même moment, si quelque chose t'a été révélé, tu dois répondre. Hold it. The spirit of the moment. When, when something is revealed to you, quand quelque chose est révélé à toi, hold it. Garde ça. The problem is we try to be afraid. Le problème c'est que nous avons peur. What will people say? Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ce que les gens disent? You see, because, say for example, when you are still in the denominational churches and you become a mission believer, you leave those churches, people are afraid to change. People are afraid to change because they move from Pentecostal to the message. Les gens ont peur de changer parce qu'ils ont quitté l'église parce qu'ils ont mauvais message. Some of them, when you show them that the message, Brother Branham came and preach to us the second coming of Jesus Christ. Les autres, si tu leur montres que le message que Frère Branham nous a prêché par rapport à ce qu'on fait du Seigneur, that Jesus, that we can see that the coming of the Lord has been fulfilled. Que nous pouvons voir vraiment que la seconde venue du Seigneur est déjà accomplie. Because they are so used to that denomination. Parce qu'ils sont habitués à leur dénomination. They are afraid to change and show off what they believe. Ils ont peur de changer et de montrer réellement ce qu'ils croient. But the prophet said, mais le prophète a dit, when something is revealed to you, mais quand quelque chose t'est révélé, catch it. Garde ça. Take it. Prends ça. Move forward with it. Et marche avec ça. Don't be afraid of anything. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. You know, when before I came to believe that the second coming of the Lord has been fulfilled. Vous savez quand avant de croire que le septième était accompli. I was fighting it. J'étais en train de combattre ça. Those who knows me, I was against it. Ceux qui me connaissent savent que j'étais contre ça. Even my wife knows it. Et même ma femme, c'est ça. But when that revelation came, mais quand cette révélation est venue, you know, I couldn't hold myself. Je ne pouvais pas me garder moi-même. People will hate you. Les gens peuvent vous haïr. People will curse you. Les gens peuvent vous maudire. Because of what you believe. Juste à cause de ce que vous croyez. Ça, c'est vrai. You know, when this message is not, it's not that easy thing where people say. Ce message, ce n'est pas quelque chose de simple. The revelation, the personal revelation is a very important. Une révélation personnelle, c'est quelque chose de très important. You cannot believe something in group. Vous ne pouvez pas croire quelque chose en groupe. It has to be yourself. Ça doit être toi-même. Amen. That's true. Yes. Everything must be a revelation. Chaque chose doit être une révélation. For you to do something, it has to be a revelation. Avant de faire quelque chose, ça doit être une révélation. Even the church where you have to go, it has to be a revelation. Même l'église où vous allez doit être une révélation. Even the pastor that you choose, it has to be a revelation. Même les pasteurs que vous choisissez pour vous conduire. Once it's a revelation to you, une fois c'est une révélation, you will never let it go. You will never let it go. Tu ne vas pas les laisser partir. Once it's a revelation, une revelation. Amen. It has to be a revelation. Even when you come to get married, for those who are going to get married, même ceux qui se marient, it has to be a revelation. Ça doit être une revelation. Amen. Because otherwise, it's going to be we'll be following you, trying to bring you together and this and that. It has to be a revelation. Ça doit être une revelation. Amen. Important. Ça c'est la chose pour moi important. Amen. We have trouble in marriage. Sorry, this is not part of the message. She's not part of the message, but I feel like I can say. Mais je sais pas si je dois le dire. But I'm married now. I know what I'm talking about. Je suis marié. Je sais de quoi je parle. Amen. If it's not a revelation, si c'est pas une révélation, whatever, anything that you always see mistakes. Tout ce que vous allez voir, c'est un erreur. You always condemn. Tu vas, tu fais et condamner. You always say this is wrong, this is bad, this is not good. Ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bien. But it has to be a revelation. Ça doit être une révélation. Once it's a revelation, you will try and protect.
Si, si, si tu ne reçois pas, il s'est protégé. And keep it. Et tu vas garder. Amen. Amen. So, even the church, a pastor, a wife, whatever, it has to be a revelation. Même l'église, les pasteurs, la femme doit être une révélation. Otherwise, we'll be stuck in one place tomorrow. Sinon, nous allons nous arrêter dans un endroit et on va bouger. Go to the next one, please. La salvation. Comme le salut. As for God was concerned. As for God was concerned, I was saved when Jesus died. Par le salut, j'ai été sauvé quand Jésus était mort. But it will never do me no good until it's a revelation to me that this, he is the Son of God. Ça ne me fera aucun bien jusqu'à ce que ça devienne une révélation pour moi qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. It's not just about I'm saved. Ce n'est pas simplement dire je suis sauvé. That Jesus died for me. That Jesus died. It has to be a revelation. Amen. Today we have people living, those who are Christians. Nous avons aujourd'hui des gens qui vivent les chrétiens. And tomorrow they are not Christians. Et demain ils sont plus chrétiens. Today they are in a message. Aujourd'hui ils sont dans le message. And tomorrow they are not in a message. Et demain ils sont plus. It's not a revelation. Ce n'est pas une révélation. When that thing is, when that revelation comes. Si cette révélation arrive, no matter what mistake you see in people, peu importe le genre d'erreur que vous allez voir dans le message, you will still stay with the message. Tu resteras toujours dans le message. Amen. You will still be in the message. Tu resteras. So it has to be a revelation. Ça peut être une révélation. Even to know the coming of the Lord, même la venue du Seigneur, it has to be a revelation. Ça peut être une révélation. Amen. Jesus was there. Jésus était là. With the children, with the disciples. Avec les disciples. But they, some of them didn't know him. That was the Christ. Mais les disciples ne savaient pas qu'il était le Christ. Until it was revealed to me. Jusqu'à ce que cela a été révélé à Pierre. Jesus has already come. Jésus était déjà venu. But we still have people denying it. Mais nous avons encore des gens qui disent que Jésus n'est pas encore venu. It's not yet a revelation. Ah, parce que ce n'est pas une révélation. It's not yet a revelation. Ce n'est pas encore une révélation. You know, when I one day I bought, before believing, I bought the seventh book. J'avais acheté le livre de sept sons. At that time, I said to myself, let me listen to these people who say Jesus Christ is already. J'ai dit, j'ai dit, bon, laissez-moi voir pour comprendre que les gens disent que Jésus est déjà venu. I heard people saying, the main message. Saying the main message is the seven churches. Les gens, the seven churches. J'ai entendu les gens dire que le message principal c'est les sept churches. I said to myself, let me buy this message. J'ai dit, ok, laisse-moi acheter. You know, since I came to the message, quand je suis venu dans le message, I've never read that book. Je n'avais jamais lu ce livre. That's the trouble with some people today. Ça c'est un problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. People are busy reading other books. Les gens sont tellement occupés de d'autres messages. But I'm telling you that message. Mais je vous dis que ce message, that book, ce livre, that's the one that opened my eyes. C'est le livre qui avait ouvert mes yeux. Simple title as God hiding himself and revealing himself in simplicity. En lisant Dieu se cache et revient dans la simplicité. That convinced me. Ça m'a convaincu. Amen. It has to be a revelation. Amen. People, some people will read the same message. Les gens vont lire le même message. But they will not understand. Mais ils ne comprennent pas. They will not get the revelation. Et ils n'auront jamais la révélation. Of what Barbanon is trying to say. Donc, le Seigneur le fait vraiment voulait dire dans ce message. Amen. Amen. He said, have accepted him as my Savior. Je l'ai accepté comme mon sauveur. And every scripture is the same way. Et toutes les écritures sont dans la même direction. Divine healing is for you. La guérison divine c'est pour vous. If God will reveal that to you, si le Seigneur, si Dieu vous le révèle, that's for you. C'est pour vous. But you can't just stumble at it. Tu ne peux pas. Ça ne peut pas être une peur qui a d'achoppement pour vous. It's got to come by revelation. Si cela est venu par la révélation. And what it has to come. Ça doit venir par révélation. Ça doit venir par la révélation. And when it's revealed, quand c'est révélé, that by his stripes you were healed, que par ses vêtements tu as été guéri, there's nothing Satan can ever
even do. Can even do. There's nothing Satan can even do. Il y a rien que Satan peut faire. As our young brother from Selborne said, comme notre jeune frère a dit, all the devil cannot move it. Tous les démons ne peuvent pas enlever ça. Sure. Sure. When something is revealed, oui, quand quelque chose t'est révélé, the devil cannot move it. Le diable ne peut pas. He cannot take it away from him. Il ne peut pas enlever ça de vous. As long as that is revealed from you, from God. Tant que cela est révélé, tu le diable ne peut pas enlever. Amen. Amen. Si, in the message Hebrew, chapter 4, si, it's not how much you learn. Ce n'est pas combien vous lisez. How much the bishop wants you to know. Combien le bishop que vous connaissez. The bishop wants you to know. Combien le bishop veut que vous connaissiez. It's how much God wants you to know. C'est par rapport à ce que Dieu veut que vous connaissiez. There's other things are not given to certain people. Il y a des choses qui ne sont pas données à un certain. That's why I stopped fighting arguing with other people. C'est pourquoi j'ai arrêté d'argumenter avec les gens. When someone said this, I don't believe in you, just stop it. Quand quelqu'un dit que je ne crois pas ça et ça, je le laisse. You know that it's not given to them. Vous savez simplement que c'est pas pour eux. You just leave. Et vous le laissez simplement. Maybe by time they will come and live. Peut-être un jour ils vont venir. Just the same way. That's the way I did. Comme moi j'étais. Amen. I was against it. J'étais contre ça. But when the revelation came. Mais quand la révélation est venue. And I cannot stand and keep my mouth shut. Je ne peux pas m'asseoir et garder ma bouche. And tell me, Jesus has already come. Pour dire que Jésus est déjà venu. Amen. Because it's by revelation. Listen, we found something about God. He said, if you can't see this revelation, don't ask the bishop. Si tu ne peux pas voir cette révélation, don't ask the bishop. Ne demande pas le bishop. L'évêque. Some people, when it's shown, you give them the message. Quelques personnes, il y a des gens, quand vous leur donnez le message, I have to ask my pastor. Ah, je vais d'abord demander mon pasteur. I have to ask so and so. Je vais demander quelqu'un. Like somebody who called me once and said, why don't you go and ask your pastor first before you start believing that? Someone told me, why don't you go and ask your pastor first before you start believing that? Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne demandes pas ton pasteur avant de croire ce qu'il croit? I don't know. Je ne sais pas. I think the revelation is personal. Je pense que la révélation est personnelle. You can go and speak. I've done it. I did that. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois. They were telling me it's wrong. Mais ils me disaient toujours que c'est faux. But in my heart, mais dans mon cœur, it was burning. Ça a brûlé. How can you tell me it's wrong when it is? Mais pourquoi est-ce qu'ils me disent que c'est mauvais, mais mon cœur brûle. You know, there was a story. I don't know if it's by Billy Paul who said that. Or yeah, I mean, sorry, I don't know if it's Billy Paul who said that. About the spoken word. The book, 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 and when he was reading, he finished reading, quand il a fini de lire, he came back to the guy, il est venu, he gave it back to him, il lui a donné, he said, this person in this book, il dit, cette monsieur dans ce livre, he's called me a group that. Il m'appelle un corbeau. This person in this book. Cette monsieur dans ce livre, il m'appelle un corbeau. But this man took the man, since he mentioned book. Mais monsieur là a pris la même brochure. He said, but I'm surprised by this person calling me. Mais je suis surpris, ce monsieur m'a appelé un aide. So it depends what you're seeing in the message. Ça dépend de ce que vous voyez. And what revelation. Et c'est quoi la révélation? We're going to have the same message. We're going to listen the same. On aura toujours les mêmes messages, on écoutera toujours les mêmes paroles. But some people don't believe certain things. Mais les autres ne croiront jamais d'autres choses. Amen. Il dit, don't ask your pastor. Il dit, ne demande pas votre pasteur. But ask God. Il dit, demande God. Don't ask your pastor. Ne demande pas votre pasteur. Ask God. Demande le pasteur. The Son revealed. The Son revealed him. Le fils l'a révélé. He
pronoun, the personal pronoun. That's one of the advice that Rabbanan is giving us. That it's not just about one something, you read the message and just go and ask your pastor. Yes, your pastor might not believe that. Maybe God is calling you. It's like Elijah, one of the prophet Eli in the Bible with Samuel. God was calling Samuel. And Samuel was going to his pastor. And every time he heard God calling, he was going to the pastor. Going to ask the pastor. And finally the pastor said, now this time if he calls you, sometimes you disturb your pastor. You are disturbing me until you say, just go. Just leave this church, go. Sometimes you need to catch what God is trying to do. Amen. In the Bible, Matthew 17, he said, listen, and his disciple asked him, saying, why then said the scribe that Elijah must first come? Et la Bible, les disciples demandaient, mais pourquoi les scribes disent que Élie doit premièrement venir? And Jesus answered and said unto them, et Jésus a répondu leur disant, Elijah truly shall first come. Oui, Élie viendra. And restore all things. Et restaurera toutes choses. But I say unto you, mais je vous dis, that Elijah is come already. Que Élie est déjà venu. And they knew him not. Et ils l'ont point reconnu. But have done unto him whatsoever they listed. Ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Likewise shall also the Son of Man suffer for them. Et quand il sera aussi le Fils de l'homme souffrira. Now listen to this part. Then the disciples, et les disciples understood, ont compris, that he spake unto them of John the Baptist. Qu'il leur parlait de Jean Baptiste. Amen. Amen. So Jesus preached to them, they asked Jesus a question. Ils ont posé une question à Jésus. But we are waiting for Elijah to come. Mais nous attendons Élie. But what's happening? How come he? Comment ça se fait que? But Jesus didn't tell them the name of that Elijah. Jésus ne leur a pas dit le nom d'Élie. Jesus just gave them the scripture. Jésus leur a donné simplement une écriture. But the Bible says they understood. Mais la Bible dit ils ont compris. Qui leur a dit ça? Amen. That he was talking of this person. Qui parlait de cette personne? Rabbanu can say things in the book. Le frère Rabbanu peut dire quelque chose. See, definitely one day you're sitting where you are listening to him, you will say, so that I know he's talking about this, he's talking about that. Without even him saying, telling you, without even Rabbanu telling you, you will know that he's talking about this. Même si le frère Rabbanu te dit, bah, tu comprends qu'il parlait de ça et de ça. Because what he says in this message here that we're going to read, he said, now, my subject this morning, I trust that God will reveal this. Je pense et je crois que Dieu révélera cela. And each time, et chaque moment, if you who takes the text and listen, vous qui prenez les bandes et écoutez, and I hope and trust that you have had a spiritual understanding of what God has been trying to get over to the church without saying it. Je pense que vous avez la compréhension spirituelle de ce que Dieu voulait dire à l'église sans le dire clairement. Amen. He's telling you who take the text, just those who have text. Il parle à ceux-là qui prennent les bandes. We have text today. Nous avons les bandes. And Rabbanan say, I hope you have a spiritual. Et Rabbanan dit que je crois que vous avez la compréhension spirituelle. To understand what God has been trying to say without saying it openly. Comprendre ce que Dieu voulait dire sans le dire clairement. Amen. Jesus,
He was there. The disciple asked him a question. Les disciples posaient la question. But Jesus gave them just the word. Mais Jésus leur donnait simplement la parole. And that's it. Et c'est tout. He didn't tell them it's the so and so. Il n'a pas dit quoi que ce soit. But they understood. Mais ils ont compris. From what Jesus said. Par rapport à ce que Jésus avait dit. That man was talking about. Que cette personne était Jean-Baptiste. They read between the lines. Ils ont lu entre les lignes. To know that that was Elijah. Pour comprendre qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. I'm about to finish. Je suis prêt à finir. Amen. Amen. He says, see, the things, it thinks sometimes we have to say things in such a way that my thing down, it might bring some to go up, some to leave. Vous voyez, parfois nous devons dire des choses à pousser les autres à partir. And some to ponder over. But that's les autres à se poser des questions. But that's done purposely. Cela est fait dans un but. It must be done that way. Ça doit être fait comme ça. But when I'm, certain thing you're saying, certaines choses que tu dis, is it just to get rid of us? C'est juste pour chasser les autres? Yes. Oui. He said we say things. Il dit que nous disons les choses. So that some people will go. Pour que les autres puissent partir. This message is something. So you have to have a revelation. No, vraiment avoir la revelation. Otherwise, you will think that this man doesn't like me. Des fois, tu vas penser que cette personne n'aime pas. But when he's talking bad about the woman. Des fois, il parle de mal de moi. He always talk about the woman, against the woman. Il parle simplement contre les femmes, contre les femmes. Yeah, so that you can go. Oui, c'est pour que vous puissiez partir. The church is not about the number. Non, l'église, ce n'est pas par rapport au nom. It's the quality of the people that receive the revelation of God. C'est la qualité des gens qui sont l'église qui ont reçu la révélation. But when one has to have a spiritual understanding. Le frère Bernard veut que nous puissions avoir cette révélation spirituelle. To understand what he is talking about. Pour comprendre ce qu'il disait. Without the spiritual understanding, ça, la compréhension spirituelle, you will just read the message as a newspaper. Tu vas lire le message comme un journal. And that's it. C'est tout. Amen. If one read the message anyway, but the problem is to understand. Lire le message, c'est bien, mais le problème c'est que tu dois comprendre. Il sait. He said one day when he had 1,000 around him. Quand il avait 1,000 autour de lui. He said, except you eat of my flesh. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair. Except you eat of the flesh of the Son of God. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme. Or the Son of Man. Le Fils de l'homme. And drink his blood. Si vous buvez son sang, you have no life in you. Vous n'avez point la vie en vous-même. Listen to Papa and I say, what kind of a statement do you think that a medical doctor or a nurse or any fine intellectual person would think of that statement? Quelle sorte de déclaration pensez-vous qu'un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle? Someone just come and say we have to drink my blood. Quelqu'un vient pour vous dire que non, nous devons eat my flesh. Et manger sa chair. Simple as that. Et c'est simple que ça. As a normal person. En tant qu'une personne normale. You think that there's something wrong with this person. Vous allez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur. For a man that had a ministry like he had. Go. Why he will say eat the flesh? That's cannibal. To drink a human blood, it's a vampire. In other words, he wants you to be carnal and vampire. Qu'est-ce qu'il pensait d'une déclaration pareille
venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien. Voyant une guérite, manger la chair. Ça, c'est cannibale. Boire du sang humain. Ça, c'est un vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. He told them a simple thing. Il a dit quelque chose de très simple. But, mais, they didn't catch the vision. Mais ils n'ont pas saisi la vision. What he was trying to say. De ce qu'il voulait dire. So this message, ce message, speak clearly of the second coming of Jesus Christ. Ce message, speaks clearly. Parle clairement of the second coming of Jesus Christ. Second venue du Seigneur. But people are us running away from it. Mais les gens sont en train de fuir. If we go on in, okay, that one. Listen to that one. Finishing. This one? Watch. No, let me go to 269. Straight away down there. So, 269. Watch him. He referred right back to the word of God. Et il nous a ramené dans la parole de Dieu. He never came right out and told them, Do you know me? Il n'est pas venu pour leur dire que vous me connaissez. I'm a Messiah. Je suis le Messie. That was ready. C'est lui qui est ressuscité. He never said that. Il n'a pas dit ça. See, he just gave them the scriptures. Il les a simplement donné les scriptures. Like John did. Comme le Jean a fait. And the rest of them. Et le reste de. See, they have to pick that out themselves. Ils devaient saisir d'eux-mêmes. He didn't come and tell them, I am the Messiah. Il n'est pas venu pour leur dire que je suis le Messie. I am here. Je suis the person that you're waiting for. La personne qui vous attend. But he said he gave them the scriptures. Il dit qu'il les a donné. And they have to catch it for themselves. Ils devaient les saisir par eux-mêmes. They have to judge for themselves. Ils devaient juger ça eux-mêmes. Now listen. Now don't go to sleep. Maintenant, judge for yourself. Maintenant, n'allez pas dormir, jugez ça vous-même. Amen. Amen. Time is gone. L'état est parti. Amen. The thing that what I want to say, ce que je veux dire, is that we need a revelation to understand. Nous avons besoin de la révélation pour comprendre ou saisir le message. Because the message is preached to anybody. Et parce que le message est prêché à tout le monde. Everyone has. Tout le monde a le message. But mais without the revelation, sans la révélation, you will not understand it. Tu ne comprendras jamais. And you will surrender. You will leave this. Tu vas abandonner, tu vas quitter le message. The reason people are leaving this message today. Pourquoi les gens quittent le message? It's because they have no revelation. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Once you have a revelation, une fois que vous avez la révélation, you will stick with it. Et tu vas saisir le message, tu resteras le message. And God bless you. Qui le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse frère Eli. De ce que veut dire le message. Amen. Bon. Parfois, la nature humaine pourrait dire que Dieu est méchant. Il y a des citations dans le message de Frère Branham juste pour pousser les gens à partir. Amen. Un frère, je vois, comme on a toujours dit, tout péché aux citations, péché va palpite aux une intention. Le frère Branham était le précurseur de la seconde venue, n'est-ce pas? Amen. Bon, le précurseur est parti, le Messie n'est pas encore venu. Tu dois le saisir. C'est une révélation. Amen. Où ça tu quittes le message, frère? On a vu ici le livre de Ruth. Le livre de Ruth a quatre parties. Ruth décida. Frère Branham, c'est l'Église qui décide. Ruth de travail, dit que c'est les âges de l'Église. Ruth de reposant, c'est en dehors des âges. Amen. Et aujourd'hui, Ruth de récompenser. C'est simple que ça. Et le livre de Ruth clôture la rédemption. Donc en dehors du livre, il n'y a pas de chapitre 5. Donc si vous entendez quelque chose, c'est-à-dire que vous ajoutez le chapitre 5 du livre de Ruth. La révélation personnelle. Amen. Tu vois, ça c'est le troisième pôle. Le premier pôle, la chair.
Les pays naturels à notre pays. Les deuxièmes poules, les deuxièmes exodes. Du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le troisième exode qui est l'âme. Le message de Frère Branham. C'est du baptême du Saint-Esprit. Wando Bandissimo. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'étape finale. C'est au bandit. Mais pas manger de manger chanter ça. Université. Ici, ce n'est pas l'école primaire, ici, c'est l'université. Je suis dans une école de temps qui est en 6 classes. C'est au bandit. C'est ça. Bon, le Jess. Oh, I've done my GCS. I finished. No, now it's not. GCS, ce n'est pas finir l'école. Yes, sir. C'est commencer. Du baptême de Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Authentique. Mais oui, c'est le jour. Amen. Le frère Branham dit que quand le sacrificateur faisait les sept traces de sang, il dit que ça parlait de sept jonctions. Le frère Branham dit que maintenant nous sommes à la septième jonction. Il pose la question lui-même. Il dit, frère Branham, c'est quoi le suivant? Il dit que nous entrons dans le millénium virgule, dans l'éternité. Oh, l'église, soit disant le premier message, rue des travailleurs, jusqu'aujourd'hui. Parce que quand tu attends l'enlèvement, c'est que tu es dans le message de l'église. Voilà. Donc tu es rue des travailleurs. Voilà. Pas mieux. Moussala. Comme disait le frère, quand on avait dit le message, là, j'ai dit le païen. Quelle compréhension. Mais tu réponds. Je dirais pas.